Yes. Cœur d'entrepreneur, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. J'espère que vous avez bien récupéré de votre petite virée d'hier soir. Hier soir, nous étions le 14 février et vous savez tout ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, nous sommes samedi 15 février et je suis du côté de Libreville. Je suis de retour dans la capitale gabonaise après une petite virée dans certains coins où j'ai eu le plaisir d'apprendre énormément de choses, de devenir une meilleure version de moi-même. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre à nouveau en mode footing, courir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis né ici. La preuve, j'ai même fait mon lycée et mon collège pas très loin d'ici. Mon lycée se trouvait à peu près 400-600 mètres d'ici au bord de cette plage. Donc, j'ai grandi ici. Et pour ce retour à Libreville, j'ai décidé une fois de plus de me mettre à une activité que j'aime bien, le footing, courir. Pour cette aventure, j'ai décidé de ne pas aller seul. J'aurais bien pu le faire tout seul. Je suis né ici, je connais à peu près le climat. Mais j'ai dit, nada mas, je ne vais pas faire cela. Je préfère me faire accompagner. Et pour cela, j'ai choisi de me faire accompagner par monsieur. Ah, en fait, c'est la vengeance là. J'ai troublé leur vidéo tout à l'heure, elles en font autant. Et ça, c'est la puissance aussi du live. Vous avez eu votre revanche, les filles? Cool. Vous voyez, c'est aussi ça la beauté de la vie sur cette terre. Donnez un sourire, on vous retournera un sourire. Donnez de l'argent et vous recevrez de l'argent. C'est ça la règle. Tous les business sont réglementés par cela. Bon, on va arrêter de se distraire et me reconcentrer, accompagné par monsieur Mediam, qui est un ami, un frère et aussi un partenaire dans une série de choses que je réalise ici du côté de Libreville. Partenaire solide, il fait partie de ces partenaires solides que j'ai. Il m'accompagne aussi bien sur le plan financier et aussi sur le plan moral, écoute, conseil, tout cela. Donc j'ai décidé de me faire accompagner par lui. Pourquoi? C'est un climat spécifique, le Gabon, pour ceux qui ne savent pas. Chaud et humide, et l'humidité est au rendez-vous. Hors de question pour moi de me dire, je suis né ici, pas besoin de me faire accompagner. Non, ne commettez jamais une erreur sous le prétexte que vous avez quelques petites connaissances d'un secteur, de vous lancer seul. Il faut toujours être accompagné par ceux qui savent là, qui vivent là. Monsieur Mediam m'a donné des conseils sur la tenue qu'il fallait par exemple revêtir. Est-ce qu'il faut prendre une bouteille d'eau? Le rythme qu'il faut adopter, parce que je cours souvent sous d'autres types de climats. Et pour voir la puissance du partenariat, vous allez le voir en démonstration. Mon bras fatigue. Je vais passer mon appareil à monsieur Mediam qui va prendre le relais. Yes, ouf, vous voyez, c'est ça la puissance du partenariat. Vous êtes fatigué, mon bras lâchait et votre partenaire peut prendre le relais. C'est ce type de choses que j'ai tendance à vous recommander. Ne restez pas seul dans votre coin pour faire vos trucs en vous disant « soit je sais, j'ai déjà fait ceci ». Faites-vous réellement accompagner par ceux qui savent de quoi il s'agit. Ne désignez pas sur les moyens, vous voyez le truc. C'est dommage. Je vais insister sur le fait de ne pas être seul. Faites-vous accompagner. Ne lésignez jamais sur les moyens au lancement de votre projet d'être assisté. C'est ce qui assure le succès de toutes les choses que vous allez entreprendre. Il est vrai qu'au début, vous pouvez vous-même imaginer votre projet, le conceptualiser, essayer de deviner ou mettre en place les bases. Mais une fois que le projet s'apprête à être lancé, faites-vous accompagner. J'insiste d'autant plus sur le fait que pendant la phase de conception, vous devez déjà être capable d'identifier vos partenaires, le type d'aide dont vous aurez besoin pour aller le plus loin possible dans votre projet. Moi, je vais terminer ce projet footing et passer au suivant parce que la journée s'annonce intense. Faites-vous accompagner les amis et surtout n'oubliez pas, cœur d'entrepreneur, entretenez-le, c'est le truc le plus important. Allez, ciao!